Zombie apocalypse. Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, je fais ce petit tuto parce que j'ai vu comme quoi il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas faire ça. Donc du coup, c'est vraiment changer son nom sur Discord. Comment changer son nom sur Discord? Il y a trois façons de le faire et il y a deux façons différentes du coup de le faire. Donc du coup, dans un premier temps, il y a par exemple pour les paramètres utilisateurs, donc la petite roue qui est tout en bas à gauche. On clique dessus, on va dans mon compte, direction modifier. Directement dans modifier, on va pouvoir modifier le pseudo. Donc là, je peux mettre n'importe quel pseudo. Par exemple, si je mets le même pseudo que du coup, pour la chaîne YouTube, tac, je fais enregistrer. Ah mince, il faut qu'on passe. Donc du coup, on passe. Il me semble que c'est bien ça. Et voilà. Donc du coup, je m'appelle maintenant Monsieur Todd. On le voit clairement ici, voilà. Ensuite, il y a une autre façon, c'est si jamais vous voulez changer de pseudo, mais seulement sur un seul Discord en particulier. Donc vous faites clairement changer de pseudo, et puis là, vous m'appelez, bah, si je m'appelle Kiku, voilà. Là, je vais m'appeler Kiku ici. Par contre, si jamais je bouge et je vais sur mon ancien Discord qui est ici, on voit comme quoi je m'appelle toujours Monsieur Todd. Voilà, Monsieur Todd ici, mais du coup, je rebouge là-bas, c'est toujours Kiku. Voilà, ça change en fonction de là où je vais. Ensuite, si jamais vous voulez faire directement par l'écrit, vous faites un slash nick qui est ici et vous marquez. Je vais mettre du coup un autre message. Slide, je pense que c'est le premier mot qui me passe par la tête. Je clique et du coup, ça me met. Désolé, ça me met slide en haut à gauche. Et encore une fois, si je vais ici, je m'appelle toujours Monsieur. Voilà. Ensuite, il y a aussi le message du coup qui est en dessous, qui est toujours intéressant à savoir faire. Donc, ça, clairement, c'est on vient ici, on clique sur la petite photo qui est à gauche du pseudo, pas le pseudo, parce que du coup, c'est ici aussi, non, ça va être. Ça va copier du coup notre petite. Notre message. On va venir cliquer ici. On a en ligne, inactif, ne pas déranger, invisible, ou alors ici. Et du coup là vous avez marqué votre phrase que vous voulez. Moi j'ai mis ça, bon, un petit peu has-been maintenant vu qu'on n'est plus en confinement, bon, c'est pas grave. Ici vous mettez votre petit emoji que vous voulez mettre. Voilà, que là, bon, par exemple, on va mettre un petit panda on dirait, bon bref c'est pas grave. Et après le nombre de temps que vous voulez qu'elle reste sur votre profil, donc seulement aujourd'hui, pendant 4 heures, pendant 30 minutes, ou alors ne jamais supprimer. Voilà, moi je préfère comme ça, moi j'y change la prochaine fois. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto aura servi à des personnes. Et même s'il est bref, j'espère que ce sera cool. Voilà, voilà. Et je vous invite à me lâcher un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Ou alors de me lâcher un j'aime pas. Mais dans ce cas-là, me mettre un petit commentaire pourquoi, que je puisse m'améliorer pour la suite. Si jamais vous voulez voir d'autres tutos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera cool. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.